Ahmed Tabou est remplaçant. Je suis sur le banc. L'entraîneur estime que t'es trop dispersé avec cette histoire de transfert. Franchement, je suis d'accord. Mais non, je vous assure, tout va bien, c'est promis. Personnellement, j'espère que tu resteras. Et si vous en voyez seulement, sachez donc qu'Alex Sinclair n'est pas titulaire. Est-ce qu'il faut y voir un signe, Pierre? Un signe qui va quitter Arsenal? Bah oui, il semble entraîner des gunners qui est vraiment sur lui. Très bien, du coup, quelle entrée en matière. Le match commence à peine, déjà un bout de retard pour Arsenal. Écoute, les supporters des Gunners, il y a déjà une drôle d'ambiance à cause des rumeurs de transfert d'Alex Hunter. Mais là, on est passé dans une autre galaxie. Oh, le cafouillage en défense. Nouvelle occasion. Ouais, le deuxième but. C'est une catastrophe en défense. Les mecs se parlent pas. Ils se font punir aussi sec. Le public de l'Emirates qui fait entendre son mécontentement, qui veut voir autre chose en seconde période. Mais Alex Hunter est toujours assis sur le banc de cette équipe d'Arsenal. La situation qui s'aggrave encore pour Arsenal. Bon, Hunter, à toi de te les remettre dans la poche. Je peux pas partir là-dessus. Elle est à l'esprit, Alex. Sans facile pour Alex Hunter de rentrer dans ce contexte. On peut l'envoyer. Les supporters font profil dans le jeu. Ouais, c'est le cas de guerre. On trouve la fête dans les tribunes, le moral est touché, c'est sûr. Les Gunners avec la carte. Allez, il continue. Allez, le ballon là. Et c'est sur la barre. Ah, mais regardez qu'il soulève, il a eu vraiment un gros coup de chance là-dessus. Ah, ouais, t'as raison, je le vois souffler, le ballon a heurté le montant, mais finalement, il a pu se saisir. Est-ce qu'on rentre, Gustave? Ah, bon ballon d'attaque. Ah, que peut-il faire? Mais c'est Alex Hunter qui sonne la révolte. L'entraîneur l'a fait entrer pour ça, et ça fait pour le moment. Les 5 prochaines minutes vont être très riches dans ce super ici, quand même, de voir cette équipe capable de marquer. En infériorité numérique, on s'attendait à le voir souffrir et puis c'est l'inverse qui se produit. On va effectuer un changement. Et le score que maintenant de 3 buts à 1. Gakou, il se rapproche de l'adversaire. Ah, elle a du potentiel sur cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Non, c'est très largement au-dessus, hein. Le gardien qui accompagne ce ballon du regard, il nous en a presque des jumelles. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes, un joueur qui va rentrer. Il porte le ballon. L'occasion pour revenir à la longueur. Avec cette personne, on
on n'arrête plus avant ce match. Ça, on peut dire que ça a rentré à tout changer, peut-être dans la tête de l'adversaire d'ailleurs. En tout cas, il n'y a plus qu'un but d'éclair maintenant et c'est plus du tout la même histoire. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Un petit but qui est laissé par les Ormes, le score est de 3-2. Amrabat. Pereira. Il s'avance vers la surface. Bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Rocher. Alexandre Lacazette. Et là, il est dans le pied. La balle est réalisée. Oh, il y a le but. Et c'est grave le troisième but hein, pour Alexandre. Ridicule les défenses d'or. Hommage au Fatah. Ça fait le coup du chapeau pour lui. On voit que lui aujourd'hui. Il laisse l'apprécier ce but comme il se doit. Une véritable avalanche. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, ça sort, ce sera pour Arsenal. Nacho Monreal. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et gagne quelques mètres. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. On va peut-être assister à une contre-attaque. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Oh, c'est bon. L'attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le jeu. Il a fait le choix de sortir très vite. Parfait. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, il perd le ballon. On tacle là. Laurent Koscielny. Le gardien qui vient de repousser, c'est pas terminé. Dans l'axe dangereux. Oh, le match qui vient peut-être de basculer. En même temps, je demande à quelques minutes, le sifflet final. Ça va être très compliqué pour reprendre le score. L'entraîneur qui ne peut pas cacher sa déception d'avoir encaissé ce but, il va peut-être devoir changer deux ou trois choses dans son équipe. Arsenal qui prend la tête au score. Donc 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Christian Cabassé. Ça part bien en action dangereuse. Et le ballon qui file en sortie de but. Alex Salter. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Alex Salter. Et encore un but. Un deuxième but. Ça fait deux buts marqués vraiment coup sur coup. Et
Ah, difficile de savoir ce qui va se passer maintenant, hein, ce score qui est désormais de 5 à 3. Amrabat. Laurent Koscielny. Et l'arbitre a décidé qu'il y aurait 5 minutes de temps additionnel. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Le ballon est au millimètre, attention. Oh, le ballon en jeu. Amrabat. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste, il y avait vraiment autre chose à faire. Alex Hunter. Il s'allonge à la surface. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé avec cette victoire pour Alex Hunter et les siens. Quel match de sa part d'ailleurs. Oui, Hervé, il a été très actif sur son attaque, c'est vrai. En plus, il y a la victoire au bout maintenant. Est-ce que c'est un de ses derniers matchs ici avant son départ pour Madrid? Voilà. On a assisté à un match complètement débridé. Alex, un match incroyable. L'entraîneur ne vous titularise pas à la dernière minute. Votre équipe est menée de 3 buts avec une expulsion. Vous rentrez sur le terrain sous les sifflets de vos supporters et vous êtes parvenu à renverser l'issue du match de manière incroyable. Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis content qu'on soit parvenu à faire un résultat malgré notre mauvais départ. J'ai senti que si on marquait un but au moins, on pouvait faire quelque chose. Les fans ont poussé l'équipe et on a pu retourner la situation. C'était votre dernier match avec ce club? Ça, c'est pas vraiment à moi qu'il faut demander. Je suis concentré sur mon jeu, c'est tout. Et je me donne à fond pour gagner le match. Comme d'habitude. Merci, Alex. De rien. Alors, c'est vrai. J'arrive. Ah, le voici, Michael Taylor, le super agent. Bon alors, je signe où? Il faut que tu viennes avec moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, maintenant! Avance, allez! Je savais que je m'appelais aussi. Ça suffit, Michael. Je commence à flipper, là. Il se passe quoi? C'est fait avoir. L'agent, celui avec lequel je traitais, c'est un esprit de première. Avance! Non, t'es en train de me dire que le Real n'a jamais voulu de moi? Ce type était seulement un intermédiaire, un petit arnaqueur. Le genre de mec qui magouille des tractations entre les footballeurs et les clubs. Le Real ne savait absolument rien. Michael! Avance! Tu veux bien me dire où est-ce qu'on va? Tenter de sauver ta carrière. Vous devez comprendre tout le tort que cela a causé au club. Nous n'avions aucune raison de remettre en cause l'authenticité de cette offre. Je comprends tout à fait. Pourtant, il n'empêche qu'Alex a demandé à partir. Mais je suis encore engagé à 100% avec ce club. J'ai bien peur que le coach ne voit pas les choses comme ça, Alex. J'ai évoqué le sujet avec lui. Il estime que tu ne devrais plus faire partie de l'équipe première. À partir de maintenant, il veut que tu t'entraînes avec les jeunes. Ce gamin a porté le club à bout de bras la saison dernière. La décision du coach est irrévocable. Bon, t'inquiète pas, Alex. On a reçu des propositions et on a 12 heures pour trouver une solution. Tant que les clubs intéressés dont vous parlez n'évoluent ni en Première Ligue, ni en Coupe d'Europe, nous discuterons volontiers avec eux. Mais pas question de vendre Alex à un rival. Vous renonceriez à une petite fortune? Ce sont les vendeurs qui font la loi. Et nous n'avons pas le couteau sous la gorge pour trouver un accord. Sauf si, bien sûr, ils nous avantagent.
Désolé de t'avoir contacté à la dernière minute, mais je te rappellerai, d'accord? Ouais, très bien. Ouais. On a jusqu'à minuit. Faut pas désespérer. J'ai essayé. C'est toi qui as insisté pour ce transfert. C'est toi qui n'arrêtais pas de nous dire que tout allait bien se dérouler. Il a su trouver les bons mots, prononcer les bons noms. À cause de toi, ma carrière est foutue, Michael. J'ai aucune chance d'être appelé en équipe d'Angleterre. J'ai fait une erreur. Peut-être. Je sais pas, j'y croyais peut-être un peu trop. Qu'est-ce que t'as dit? Regarde autour de toi, Alex. Combien de superstars tu vois dans mon planning? À une époque, les meilleurs joueurs voulaient que je les représente. Mon téléphone sonnait constamment. Mais maintenant, je suis trop âgé et les dossiers importants se font rares. Je ne suis plus dans le coup désormais. Ça s'est mis à dégénérer avec Garrett. Ensuite, j'ai perdu le contrôle. Je devais donc me reprendre. Je veux être important à nouveau. Après tout ce que j'ai fait. J'étais pas assez important comme joueur. Tu te rends compte que t'as risqué ma carrière? Tout ça pour faire rebondir la tienne? Non, c'est pas ça, Alex. C'est quoi, alors? Je t'en prie, crois-moi. Je vous laisse ce qu'il y a de mieux. Je suis désolé. Désolé. C'est pas ça qui m'aidera à trouver un nouveau club. Papa, on peut dire que tu te débrouilles toujours pour m'appeler au plus mauvais moment possible. Tu cherches toujours un nouveau club? Quoi? Ouais. Mais c'est trop tard maintenant. Il est jamais trop tard, Alex. Accorde-moi 5 minutes, pas plus. Il y a une personne qui voudrait te parler. Comment ça va, Alex? Javier González. Je suis sûr que tu te souviens de Zardes. On a appris que tu cherchais un nouveau club. Il se trouve que, malheureusement, on a pas mal de blessés. Et du coup, on cherche un nouvel attaquant pour accrocher une place en play-off de la MLS cette saison. Je ne sais pas toi, mais moi, je vois ça comme une belle opportunité. Si t'es intéressé, ça peut s'arranger. Mais il nous faut une réponse maintenant. Alex, ce serait bien pour toi. Tu mettrais le feu à la MLS. Ouais, il a raison. Harold? Vous accepteriez de travailler avec moi si Alex dit oui? Je le ferai en fonction d'Alex. J'en sais rien. Tout ça va trop vite pour moi. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors, Alex, qu'est-ce que tu veux? Jouer avec des gamins? Ou venir au LA Galaxy et rappeler au monde entier à quel point tu as du talent?